Bon, l'équipe, ça va ou quoi? Donc, bon, là, je vous fais une petite vidéo, là, tranquille, là, du scooter, là. Bon, pas de vlog avec la GoPro. Voilà, je vous fais juste une petite vidéo, là, que je vais rajouter sur une autre vidéo, là. Donc, voilà, pour ceux qui me demandent à chaque fois, ouais, filme un peu plus ton scooter, etc. Pour ceux qui vont voir, oui, j'ai un jouet Spi à l'avant. Voilà. Oui, j'ai un jouet Spi, ça fuit. ça fuit pas mal. Bon. Là, mon rétro, il va dégager celui-là, parce que, en vrai, je trouve que ça nique la. Le scooter en fait. Du coup, je pense que je vais en mettre un enduro là. Vous savez, les enduros là, tu sais, ceux qui se replient là, comme ça là, qui se replient vers là. Du coup, je pense que je vais en mettre un comme ça là. Et là, je vais juste changer le. Je sais pas là si je change le cylindre ou quoi. Et j'ai mis la plaque là aussi, les gars. Voilà, je l'ai mis sur le côté aussi là. Parce qu'avant, je l'avais là, j'avais en dessous de la barre de stand. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir ma configuration du scooter, ben sachez qu'en fait, elle est en. Je vais la mettre en description. Voilà. Attendez. Du coup, voilà les gars, du coup, ma configuration du scooter, je vais la mettre en description parce qu'en fait, elle n'a toujours pas changé. J'ai toujours la même config, j'ai toujours le même vario. Le poids de mes galets, je les connais toujours pas parce qu'en fait, en gros, moi, je fais des tests en fait avec les galets et en fait, après, quand ça va bien, ben, hop, je garde celle-là et voilà. Je me fais pas chier à dire, attends, là, j'ai mis des 3,5, des 4,5, des 8,5, non, non. Moi, genre, je teste et après, ça va bien, tu vois. Là, je sais juste que là, je les ai un peu augmentés. Et du coup, les gars, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. J'ai repris mon ancien compte Snapchat. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai eu un compte Snapchat depuis 2013, 2012, 2013. Avant que je commence les vidéos sur YouTube, après genre j'ai eu toute ma communauté après genre dessus. Et en fait, il y a genre 2 ans là, j'ai voulu changer de Snap pour en avoir un privé, mais au final, du coup j'ai gardé genre celui-là que j'avais fait en fait pour le privé. Et du coup, genre j'utilise l'autre, en fait, genre j'ai repris l'autre en même temps pour ma chaîne YouTube. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que j'ai créé un nouveau concept là sur la chaîne YouTube. C'est un concept qui vous concerne que à vous, voilà, et à moi aussi parce que c'est ma chaîne YouTube. Mais c'est plus à vous qu'à moi. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, genre ceux qui veulent avoir un peu plus d'abonnés, avoir plus de monde, etc. pour vous suivre, ben, en fait, en gros, allez sur ma chaîne YouTube et genre j'ai déjà mis une vidéo d'un abonné à moi. En fait, en gros, genre, ce que je fais, c'est que je mets en gros vos vidéos en fait sur ma chaîne YouTube en fait. C'est-à-dire que, par exemple, genre, tu m'envoies ta vidéo sur, tu sais, les trucs gros fichiers là. Tu sais, genre, tu sais, par mail, je mettrai mon mail aussi pour me l'envoyer. Et en fait, par exemple, genre, en mode, vous faites une présentation de votre machine ou vous faites un petit vlog ou vous vous levez, etc. Mais il faut que ça soit filmé bien, pas avec un téléphone. Faut pas que genre, ça soit filmé comme ça. Genre ça, non. Faut pas que ça soit filmé comme ça. Faut que ça soit filmé comme ça, tu vois, genre en mode comme si genre tu faisais une vidéo comme moi là, t'as vu? Tu fais une vidéo comme ça où genre tu te présentes, etc. Et par exemple, genre tu présentes ta machine, etc. Tu vois. Et par exemple, après genre tu m'envoies par exemple après genre des séquences où genre tu lèves et après moi je ferai le montage. Tu vois. Parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui savaient pas trop faire le montage. Donc du coup moi je m'en occupe. En gros, vous m'envoyez juste vos séquences, hop, par mail, par gros fichier là, sur 8 transferts, voilà. C'est quoi? Je vais vous mettre dans la description 8 transferts. Le transfert, en gros, c'est un site gratuit où vous pouvez m'envoyer des gros fichiers, c'est-à-dire même si ça fait 3 gigas, vous pouvez me les envoyer, tu vois. Et je vais mettre 8 transferts aussi, je vais mettre ça dans la description, je vais mettre mon adresse mail et vous aurez juste à filmer vos séquences quand vous êtes avec votre moto ou votre scooter, etc. Et genre, je veux des gens qui ont fait des bons plans, tu vois. Genre, je veux pas genre juste un mec qui filme comme ça, ouais, les gars, et après qui me l'envoie, ça me sert à rien. Et il faut que la vidéo elle fasse moins de 5 minutes. 5 minutes maximum. Voilà. Donc voilà. Mais de toute façon, ça je l'ai déjà dit, de toute façon sur Snapchat et sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut me suivre les gars sur les réseaux sociaux. Parce que les projets comme ça, bah, en fait j'en parle sur mes réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Et là je vais prendre des petites photos là. Mais pour Instagram et pour Snapchat du scooter. Et du coup, voilà, tranquille. Et forcément, les gars, moi, je suis toujours là. Bientôt, une nouvelle machine. Ça, bientôt, ça, vous allez très vite le savoir. Une nouvelle machine, là. Et voilà. J'espère que cette nouvelle machine, ça va vous plaire. Parce que c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà. C'est un truc qui me tient à cœur, oui, parce que je sens qu'avec cette machine-là, je sens que. On pourrait un peu plus rigoler tous ensemble, en fait. Je sais pas si je vois ce que je veux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en gros, ça va être une machine, mais genre en mode,
ça va me faire découvrir avec d'autres personnes, etc. Enfin, il y a moyen qu'on rigole. Donc, du coup, c'est pour ça. Mais sur ce, l'équipe, hein, s'il y en a qui veulent m'envoyer des messages ou quoi, moi je suis H24 là. Tu m'envoies un message soit sur Instagram, soit sur mon Snapchat. De toute façon, tous les liens sont à la fin de la vidéo. Voilà. À la fin de la vidéo, de toute façon, je mets tous mes liens, c'est-à-dire Facebook, Snapchat, Instagram. Donc, tu as juste à. Soit tu vas directement à la fin de la vidéo, soit tu vas en description. De toute façon, il y a déjà tout qui est marqué. Et du coup, voilà. Moi, je suis H24 là, les gars. J'ai toujours pas abandonné YouTube parce qu'il y en a plein qui me disent mais t'avais arrêté YouTube et tout. Non, non, je suis toujours là, moi. Toujours. Donc, du coup, voilà. Et pour ceux qui veulent savoir aussi, je vais mettre mon lien aussi Twitch. Parce qu'en gros, je vais faire des lives sur Twitch. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont chauds, jouer PC. Voilà, pour jouer sur PC ou quoi. S'il y en a qui jouent à Rocket League ou quoi. Ben, je compte faire aussi des lives sur Twitch. Donc, ça, suivez-moi ça bien sur Snapchat et sur Instagram pour savoir c'est quand que je live. Parce que je ne suis pas encore en fait de planning. Voilà. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont chauds, ben. Voilà. Bon, sur ce, l'équipe. Ça fait plaisir de vous parler parce qu'en vrai, je suis tout seul là. Mais on dirait qu'il y a genre des gens derrière, tu vois. Genre, je sais que vous êtes là, là. Parce que ça fait plaisir. Et je sais la force que vous me donnez, ça fait super plaisir parce que vous êtes les seuls, les gars. La motivation, c'est dans ma tête et c'est vous. Bon, avec le petit scooter, hein. Toujours là, lui. Fidèle au poste. Bon, ça va ou quoi? Bon, attendez, je vais vous amener faire un petit tour avec la 125 CB. Si j'arrive, hein. Franchement, je vous mens pas. Waouh, faut tenir la caméra. Attendez, parce qu'en fait, genre là, elle est sur la béquille en fait. Il faut que j'enlève la béquille sans faire tomber la moto. En même temps, tenir l'appareil photo. Ok, c'est bon. Ouf. Bon, on va rouler sans gants, hein, parce que bon. Bon, c'est juste pour vous montrer, pour vous parler un petit peu. Comment on va faire là pour passer le test? Waouh! C'est compliqué là! Voilà, c'est bon! On est parti, dormi! Hop, on passe là, c'est bon! La 2 à la volée, c'est chaud, ok! La 2 à la volée, ça fait des à-coups les gars, c'est incroyable. Wow, attendez. On va faire la mise au point. Wow, je suis en 2 là. Oh. Compliqué, je suis avec du paravent, pas d'embrayage. Quoi après, j'ai pas besoin d'accélérer après. Je voulais pas rétrograder. Incroyable. Faut que je regarde parce qu'à tout moment il y a un jeune là. Franchement ça marche bien. Franchement pour un 125 c'est bien. Franchement pour ceux qui se demandent. Franchement après moi je sais qu'après moi je fais que du stunt. Bon, rétrograder sans embrayer c'est chaud. Ouais, ça fait des rappels et tout. Bref. Ouais. Mais franchement ça marche bien. Franchement tu vois c'est pas une moto. Putain. Franchement, ça c'est une moto qui marche pas mal quoi. Enfin, qui marche quoi, tu vois, genre c'est pas un scooter 4 ans quoi. Donc voilà. Bon l'équipe, là j'ai mis la GoPro, là je vais vous faire une petite vue là. On file GoPro là. Et on va voir ce que ça donne. Enfin, ça c'est la deuxième à la volée gros. Ouh. Incroyable. Bon. On va essayer de s'arrêter. Ça va être compliqué tout. Bon attendez, là je suis en train d'embrayer. Oh mais je la pose comment la moto?
L'équipe, voilà, donc là j'ai sorti le petit 125 Seber. Bon, là j'en fais plus parce qu'en vrai il chauffe énormément. Waouh, oh, il est chaud de ouf. Pourtant, j'ai mis le ventilateur en direct et tout. Hein. Regardez, genre là j'ai la clé, là j'ai ma sonde de température, mais il chauffe de ouf. Et puis même après, je reste qu'en première. Donc après, automatiquement, voilà. Bon, là je me suis entraîné. Bon, je vois que ça stagne. Voilà, je sais pas d'où ça stagne en fait. C'est qu'en fait, en gros, j'ai toujours les réflexes en fait, genre du scooter. Voilà. Voilà, j'ai toujours le réflexe toujours du scooter de toujours vouloir freiner. Heureusement j'ai le frein parce que sinon je pense que je tomberai à chaque fois. Et du coup voilà, ben, je pense qu'il faut que j'arrête de faire du scooter. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça déjà. Vous savez genre le stunter là qui est en quad là au salon de la moto. Mais en gros ben, genre, lui il m'a dit en fait il faut que j'arrête de faire du scooter. Pour arrêter ben, genre, d'avoir cette ambiance ben, genre, de toujours vouloir freiner du frein en fait, arrière du truc. Toutefois, là bientôt il va y avoir la nouvelle machine. Là, je vous dis toujours pas ce que c'est, mais de toute façon, avec cette machine là, il n'y aura pas de frein arrière. Il n'y aura pas de frein à la main. Voilà, un petit indice tranquillou. Bon, après, c'est un indice, t'as compté. Hein. Mais genre, ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y aura pas de frein arrière à la main. Donc, à partir de là, ça sera déjà un peu mieux. Voilà. Donc, de toute façon, je pense que vraiment, je pense que je vais vraiment arrêter, je pense, de faire du scooter, etc. De toute façon, avec cette moto là, de toute façon, vu que j'aurai toujours le handbrake pour faire du stunt, j'aurai toujours le frein arrière au pied, tu vois, je pourrai toujours m'entraîner au pied. Mais par contre, je me suis grave entraîné à avoir le frein au pied, franchement, je commence à l'avoir, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, en gros, j'arrive pas à aller au point d'équilibre en fait. En fait, j'y arrive des fois, mais pas tout le temps. Je sais pas, genre en mode. Je pense que parce qu'en fait, en gros. Genre j'ai ma couronne en fait elle est trop petite. Ouais en fait elle est trop petite, faut vraiment que j'en mette une plus grande. Parce qu'en fait en gros ça lève, ça fait propre et en fait ça donne des à-coups à grand-mère, ça fait pop. Et du coup en fait en gros ben genre je mets deux coups filets de gaz en fait, ça fait bon et en fait genre je prends trop de vitesse. C'est-à-dire qu'en fait en gros après c'est impossible en fait genre d'être au point d'équilibre, tu vois. Genre je peux pas faire du lent en fait. Du coup compliqué. Compliqué de ouf. Y'a un 125 là-bas qui s'entraîne aussi. La genre du monde là-bas, mais moi je suis tout seul, moi. Je connais, moi je suis dans mon petit coin là. Tu vois, moi je suis avec ma petite voiture, gros. Je suis avec ma 125, gros. Et voilà, je suis dans mon petit coin. Et du coup, voilà, tranquillement. Hein. Et du coup, ben voilà. Donc, franchement, les gars, moi ça me tente là d'avoir la nouvelle machine parce que je sens que ça va beaucoup changer les vidéos, etc. Et voilà, tranquillement. Parce que bon, là, je vois que là, ça stagne, même pour vous, même pour moi. Moi, vous savez, moi, je suis H24 là, j'essaie de trouver des nouveaux concepts, etc. Et c'est compliqué de trouver toujours des bons concepts, etc. Donc, bon, après, c'est comme ça. Après, moi, ça fait 7 ans, les gars, je fais des vidéos. Donc, à un moment donné, c'est normal que j'ai un petit coup de mou, que je sais plus quoi faire, en fait, au final, tu vois. Mais voilà, du coup, tranquille. Après, oui, il y a tout le monde qui court. Et du coup, ben voilà. Mais là, il y a du monde là. Marais, il y a bagarre ou quoi? Oh les gars, il y a bagarre, je crois que des petits jeunes. J'en ai mort. Attendez, les gars, s'il y a bagarre, la tête de la mer, je la mets sur YouTube. Attendez, je vais aller voir parce que je crois. Je crois que tout à l'heure, je crois qu'il y a encore une fois tout à l'heure. Putain, il n'y a pas bagarre. Oh, il a un souci lui. Oh. Souci là? Hein? Tu vas tomber en panne là, gros. Tu vas avoir un problème de flotteur, frère. C'est pas à toi. Là, ça va au trop plein là. Attends. Ça vient de cette durée de là? Non, de elle. Où ça, d'elle? Attends. Où ça, elle? Attends. Ça? De elle. Ouais. T'as coupé le robinet? Coupe le robinet. C'est la merde là. Là? Elle est pas au moins là votre moto. Là ça coulera plus François parce que là t'as coupé le truc. Mais là il y a d'avoir un problème là au flotteur. Hein. Là il y a d'avoir un problème au flotteur là, c'est sûr et certain. Parce que c'est à dire qu'en gros ça fait ça. Le flotteur va jarler, il bouge plus en fait. Pff.
C'est ta moto? Non, c'est une moto. Mais non, parce que y a le char là, ça s'est sorti du trop plein, du coup on a coupé et je sais pas ce qui s'est passé. Non mais c'est pas normal. Coupe l'essence, putain. Non mais c'est bon, on l'a coupé. C'est pour ça, frérot, elle est morte, frère. Alors j'imagine même pas la mienne, frère. Elle est pas morte, c'est vrai, c'est un frère. C'est juste, ouais, c'est juste un carbu, là, gros. Ouais. Bon, du coup, Yachi. Putain, je croyais faire le buzz parce qu'il y avait déjà une bagarre. Putain, Yachi. Bon, je sais pas, peut-être un autre jour ou quoi. Mais là, il y a du bon sang de merde, là. Oh, je me crois au collège, les gars. Bon, lui, il s'entraîne, il s'en bat les couilles, lui, gros. Bon, sur ce, l'équipe, hein. De toute façon, c'est au courant sur Insta et sur Snap. Hein. Toujours là, ça bouge pas.